Om Shanti, Om everyone. Shanti, chacun. Tout le monde va bien? Tout le monde vole? Parfois, je pense qu'il y a tellement, on a tellement de chance de faire tout ce qu'on fait. On a beaucoup de choses à faire aussi, ce que Brahma Baba fait, nos points de Karana Caravanar, les signaux. Mais ce que je fais, si j'ai entendu 10 phrases, par exemple, et si je peux me rappeler d'une ou deux, c'est très bien, c'est ce que je prends. Et je pratique cela au lieu de me stresser que je me souviens de rien, ou je me souviens pas de tel point ou tel point. Tout ce que vous pouvez comprendre, ce que vous comprenez, commencez à pratiquer ce que vous avez entendu ou compris, que ce soit de la conscience du corps à être conscience d'âme, être détaché et aimant. Ne pensez pas que vous devez vous rappeler de tout. À ce moment-là, votre intellect, laissez-le aller vers un point ou deux. Et ce que vous avez compris, vous le pratiquez. C'est ce que dit Mohini. C'est ce que je voulais vous dire. Et parfois, certains me demandent aussi, comment pouvons-nous pratiquer la conscience de l'âme et ne pas être dans la conscience du corps? Et Baba dit parfois que le costume, la conscience d'âme, c'est comme enlever le costume. Et Mohini dit, c'est très, très subtil. Essayez plusieurs fois par jour d'aller vers vos qualités éternelles, parce que vos qualités éternelles sont neutres et qu'elles sont très pures. Et les sentiments qui sont là ou le passé est complètement retiré de ces qualités originelles. Quelqu'un m'a réécrit en me disant, maintenant, je comprends c'est quoi akarma. Akarma, ça veut dire être dans un état, dans notre état éternel. Donc, on pense quand on pense à la conscience de l'âme, en étant dans la conscience de l'âme, on pense à l'amour, à la paix, et on évite les autres pensées. Et d'autres pensées viennent dans l'esprit, et on dit, intérieurement, on a des sentiments et on a des pensées. Donc, la pratique de la conscience de l'âme, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer si on a 3 minutes, 5 minutes. Et même pour 1 minute, 1/2 minute, éternellement, je suis dans l'amour. Ainsi, cet amour qui émerge quand on est dans la conscience de l'âme a beaucoup de pouvoir. Et je recommande à chacun de faire cet exercice pour ainsi devenir naturel. Parce que si je suis en train de penser à ceci, mon drishti est comme ça, c'est comme cela qu'on crée les sanskars. Il y a des sanskars qui sont en lien avec la conscience du corps, des sanskars qui sont liés au sanskars de la conscience de l'âme. Et on doit créer de plus en plus de conscience, de sanskars de la conscience de l'âme. Et on deviendra d'éternel, cela deviendra originel. Parce que lorsqu'on sera à l'âge d'or, on n'écoutera pas les murlis, on ne pratiquera rien et ça sera devenu naturel. Et on doit aussi devenir naturel ici, maintenant, dans cette conscience de l'âme. Et dans la conscience de l'âme, on est dans la relation de fraternité avec les autres âmes. Toutes les âmes sont notre frère. Et aujourd'hui, Baba disait, Bachi, Mohini dit, Bachi,
Patché, je me sentais très bien. Je serai avec vous, les enfants. Patché. Et même se souvenir de cela, ne pas faire d'efforts compliqués, on ne peut pas faire ça très longtemps de toute façon. Faites en sorte que tout soit doux, facile, agréable, naturel. Alors, ne pas mêler parmat et manmat. Comment puis-je voir la différence, Simone? Quand il y a manmat, on est comme... c'est la détermination, l'autre, c'est l'entêtement. On est déterminé, c'est très bien. Et entêté ou têtu. Et je me souviens, il y a beaucoup d'âmes qui disaient, quand ils disaient aller voir, je voulais avoir des conseils concernant l'entreprise ou acheter une maison. À certains, Baba expliquait comme le karma de la philosophie, ne donnait aucune directive. Et un jour, Brahma Baba a dit à certains, on donne des directives à certains et à d'autres, non. Parce que je sais que certaines âmes ne suivront pas cette... et cela deviendra fardeau pour l'âme de penser qu'il a eu une indication, il n'a pas fait. Et à ce moment-là, Baba suggérait à certaines âmes, parce qu'il savait que certaines âmes, c'est lié au compte karmique, pour les régler, les comptes karmiques, cette pensée vient et revient régulièrement dans l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'on mélange à la fois les dictats de notre esprit et les directives de Shrimat. C'est parce qu'on est attiré par notre opinion, par nos propres pensées. I don't like anyone kind of changing the route. Alors, quand je suis les Mariadas, je n'aime pas quand d'autres et Moïni dit, je veux simplement aller sur le chemin droit qui sont les directives de Shrimad. Et comme Baba dit, si vous prenez le mauvais chemin, vous devez revenir, vous devez rebrousser chemin. Alors, on ne doit pas revenir, on doit toujours aller de l'avant et progresser. Donc, je pense, Imoeni, pour chacun d'entre nous, de comprendre profondément. C'est quand c'est manmat, quand c'est parmat, reconnaître quand c'est manmat et quand c'est parmat. Ainsi, quelqu'un peut être proche, mais pas à un individu en particulier, parce que cela devient de l'influence. Avoir beaucoup d'amis, beaucoup d'amour, mais pas devenir des compagnons. Seul Baba est notre compagnon. Parfois, cela arrive. Il y a beaucoup d'âmes qui commencent à prendre des conseils les uns des autres, et ils deviennent dépendants et cela devient des comptes karmiques parce que le résultat, à un moment donné, n'est pas bon. Et cela arrive dans la vie spirituelle. Et parfois, on sent qu'on a besoin de support dans notre vie spirituelle, de soutien. Et le souvenir et Dieu comme notre compagnon, on doit rendre cette relation très simple. Et simple veut dire une connexion. On utilise beaucoup de mots. Quelqu'un dit, je ne me sens pas connecté. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes toujours connectés. Parce que lorsque nous sommes connectés, je sens le courant. Simplement avoir de l'amour pour Baba et dire, Baba, je t'aime, c'est assez comme yoga.
Rendez-vous la tâche facile, dit Mohini. Peut-être que ce que nous avons fait dans le passé était nécessaire, mais on ne doit pas continuer à le faire de la même manière, probablement. Et on se sent très intime dans cette relation avec Baba. Aujourd'hui, je pensais que lorsque j'étais avec Baba, même avant d'être dans la connaissance, je me sentais très, très proche de Dieu. Je sentais sa divinité. À ce moment-là, on pensait au Seigneur Krishna, mais c'était un amour pur avec Baba. Et aussi suivre les directives principales. Comme aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée physiquement et je me suis dit, même si c'est mes dernières minutes, au moins je suis dans le souvenir de Baba. Alors, dans votre vie, vous aimez pratiquer, expérimenter. Et après quelques minutes, j'étais bien. Donc, intérieurement, on doit être dans le souvenir, on doit être dans la conscience de l'âme. Je dois être avec Baba. Et ainsi, notre service est de devenir un donneur miséricordieux. Parce que lorsque l'on donne, on peut penser, je vais en retirer 10 fois plus. C'est ce que je vais retirer de cette action. On doit simplement donner. Parce que lorsque l'on donne, c'est à ce moment-là que la boutique au trésor, notre propre boutique au trésor, augmente. Et quand on est aimant, l'amour ne réduit pas, l'amour augmente. Toutes les qualités et les vertus que l'on donne ne s'amenuisent pas, elles augmentent et on le devient. Quand on pense à chacune, alors devenir aimant, ce n'est pas une pratique, c'est simplement penser qu'on est ainsi. Donc, toutes les qualités deviennent naturelles, elles font partie du soi. Donc, le donneur miséricordieux, c'est donner à l'autre âme ce qu'elle a besoin. Comment puis-je le savoir, a dit une âme, ce que l'autre âme a besoin? On finit par comprendre, dit Moini. Quand on est dans la conscience de l'âme et qu'il y a de l'amour pour cette âme, on saura ce que l'âme a besoin. Que là, cette âme a besoin de soutien, a besoin de plus d'amour. Et vous vous sentirez bien de lui offrir. Donc, je veux simplement dire, dit Mohini, dans le mois d'août, on va faire des révisions du Murli Avyakt, mais on travaillera beaucoup sur les signaux Avyakt aussi. Et ça deviendra notre pratique et nos devoirs. Donc, l'intellect a besoin de se reposer. L'intellect a besoin de devenir calme. Et c'est très important pour se connecter à Baba. C'est trop difficile de planifier, de barater. On a besoin de barater. Mais après avoir paraté, on a besoin de prendre du silence. Et notre silence, c'est lié, l'esprit et l'intellect est lié à notre pureté. Et dans tout, si on a beaucoup de patience intérieurement, on retrouve le silence. Donc, vous devez expérimenter dans la journée un silence très naturel, OK? Alors, faites au mieux. Soyez naturel. Soyez pas négligent et simplement naturel et facile. Enchanté.
Alors, voici Moïra. Om Shanti Mohini Didi. Bonsoir à chacun. Bonsoir à Vyaktiparibha. Chaque parole que tu as dit, je veux l'entendre encore 10 fois parce que cela a beaucoup touché mon cœur. Et j'ai mis ça en lien dans le blessing de ce matin qu'il va faire en sorte qu'il va nous aider dans tous nos problèmes. Et il a dit ensuite, il a dit, ne soyez pas ceux qui n'aiment de temps en temps, mais aimez constamment. Et je voulais te demander, quel aspect de la pureté peut nous amener encore plus proche dans notre loyauté, notre honnêteté, dans notre façon d'aimer Baba? Je pense, Simoini, qu'on peut regarder dans nos relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il y a un amour pur et que l'amour est constant et qu'il y a le sentiment d'appartenance dans l'amour, il y a cette idée de vouloir prendre soin. Et donc, c'est comme une expérience avec les êtres humains et on doit avoir ce même genre d'expérience avec Dieu. Et on doit se rappeler qu'il y en a seulement un qui peut toujours nous aimer. Il y en a toujours seulement un qui est notre soutien et notre force. Donc, ce n'est pas par besoin, c'est notre parent. Et toutes les relations sont avec Baba. Et plus on reconnaît et on comprend, je pense qu'à ce moment-là, il y a un amour constant pour Baba. Baba nous aime. Quand on se souvient de cela, dit Moïni, Baba nous aime. Et une fois de temps en temps, peut-être, se rappeler, je me souviens qu'il y avait à un endroit beaucoup de difficultés dans les relations interpersonnelles. Et quand ils ont compris, après un certain temps, ils ont réalisé que c'était un problème de statut ou de pouvoir, une guerre de pouvoir. Et ils ont perdu leur amour. Et quand ils ont compris, ils ont dit, on a retrouvé l'amour. Et souvent, on va dans des choses inutiles. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont des différends. Mais pourquoi perdre notre temps avec ces... Il y a tellement de voitures sur la route. Il y a beaucoup de voitures et je ne me mets pas à dire pourquoi est-ce que il y a une Honda, pourquoi il y a une autre sorte de voiture. Je n'ai pas à me poser ce genre de questions. Je continue ma route et j'avance. Donc, c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie aussi. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit d'être en amitié, être en amitié avec chacun, mais avoir seulement un compagnon. Et j'ai aimé entendre cela. Tu me l'as dit il y a plusieurs années. On peut être en amitié, c'est très amitié, sur le chemin brahmine, mais faire attention, il n'y a qu'un seul compagnon qui est support. C'est Baba. Parce que quand il y a trop de proximité, j'ai compris que ça ne fonctionnait pas. Et je fais très attention maintenant, dit Moïni. J'écoute tout le monde, mais je n'agis pas. Je suis mon cœur maintenant. Et quand cette réalisation vient, on n'est pas influencé par les opinions et les conseils des autres. Moïra dit, Moïni Didi, on est rendu à un certain moment de la confluence parce que je pense qu'on est dans les jours d'or de la confluence. Et c'est l'idée de faire des efforts sincères. Et il y a l'idée de se nettoyer et l'émergence de Avyaktiparibha, c'est
vouloir être ensemble et grandir ensemble tous les soirs. C'est une joie de venir ensemble quand on est, ça multiplie la joie de s'apprécier les uns les autres, mais de façon naturelle. Et tu dis continuellement, soyez naturel, soyez naturel. Comment est-ce que tu vois cette proximité, que la famille, comment est-ce que ça impacte le monde, le fait que la famille brahmine se rapproche? Parce qu'on devient de plus en plus conscient de notre proximité les uns des autres. Comment est-ce que ça touche l'humanité? Je pense que partout dans le monde, il y a en ce moment des conflits et des bouleversements. Il y a que les gens soient en contact avec nous, directement ou dans nos endroits, Shantivan ou Gyan Sarovar. Ils sont toujours émerveillés par la nourriture, comme tout est disponible. Alors, vous allez à tel endroit, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du lait, de la crème glacée, et c'est très efficace. Et tout est efficient dans le sens que tout le monde peut en avoir. Il y en a pour tout le monde. Et cette pureté, c'est la relation. Et souvent, ils ne voient pas de leader dans cette organisation et tout fonctionne bien. Donc, effectivement, les gens ressentent quelque chose, puis il y a un impact, particulièrement en Inde. Parce qu'en ce moment, surtout en Inde, les gens regardent qu'est-ce que les Brahma Kumaris font. Parce qu'il y a, à une certaine époque, il y avait des gens qui n'avaient pas de nourriture. Donc, quand les gens avaient besoin, les Brahma Kumaris faisaient cela. Mais Baba nous fait en sorte que nous l'avons. Alors, on partage et ce n'est pas seulement pour les piquets, c'est pour tout le monde. Donc, c'est l'idée de partager ce que l'on a. Merci, Moni Didi. C'est exactement ma prochaine question. Parce que cette conversation chez nous, en Amérique latine, sur l'urgence, donc, d'une certaine manière, on doit aller au-delà des situations et d'une autre façon, on doit avoir la possibilité de répondre. Nous avons l'exemple de Daddy G quand elle envoyait à Katmandou, Baba envoyait de la nourriture envoyé par avion pour nous dans les pays étrangers. On voit que Madhuban va faire des choses, mais qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'étrangers ou de pays à l'étranger? Jusqu'où devons-nous aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moni répond, une des choses à faire, c'est de partager avec la communauté. Je dis tout le temps à Harmony House. Quand vous faites du popcorn, quand vous faites des nouilles, ce n'est pas que vous faites Brahma Bhojan pour tout le monde. Comme quand on est à Peace Village, avant on disait pour 5 ans, mais maintenant, on dit pour 100. Alors, on compte autrement. Et comme on n'est pas des organismes, on ne paye pas de taxes. Alors, on dit ici qu'il y a un feu et que les gens sont dans le malheur. On leur a dit qu'on pourra vous donner 2 chambres. Alors, on participe à la communauté.
Alors, ils viennent nous voir et disent, par exemple, on a beaucoup de nourriture. Est-ce qu'il y a des gens dans le village ou dans la petite ville qui ont besoin de nourriture? Alors, les ressources viennent et on les partage. Donc, mais les ressources viendront à vous et vous pourrez partager à partir de cela. Parfois, il y avait des organismes qui disaient, est-ce qu'on peut vous envoyer? Souvent, il y a des sous qui sont envoyés. Ils avaient confiance dans les Brahma Kumaris. Ils savaient que les Brahma Kumaris enverraient l'argent ou les fonds à l'endroit où les personnes, les âmes voulaient. En Argentine, il y a eu une inondation il y a plusieurs années. Et ils ont dit, on a reçu des choses que les gens nous ont données parce qu'ils savaient confiance, le fait ils avaient confiance en nous qu'on les donnerait aux bonnes personnes. Donc, les gens ont confiance en nous, dit Moira. Alors, le temps est écoulé. Alors, regardons maintenant le devoir de demain. Karan Karavanhar, donneur miséricordieux. Il existe de nombreux types d'âmes dans le monde. Certaines âmes veulent le nectar de la connaissance. Certaines âmes veulent le pouvoir et les vertus. Alors que vous, les enfants, avez constamment tous les trésors, vous êtes ceux qui comblent les désirs de toutes les âmes. Le temps présent, où tous les enfants doit être révélé comme des donneurs miséricordieux, a fait de vous un instrument pour cela. Shanti, good night. Om Shanti. Bonne nuit à chacun. Om Shanti. Om Shanti.